Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. À l'occasion du nouvel an 2023, je souhaiterais bonne et heureuse année à tous les abonnés de la chaîne, mais surtout à tous les abonnés algériens, bien que je leur dis que cette année, pour l'Algérie, ça va être une année de tous les dangers. Bien entendu, quand vous entendez une année de tous les dangers, tout le monde, presque tout le monde, va penser aux politiques, peut-être aux militaires. Non, je ne parle ni de l'un ni de l'autre, mais c'est beaucoup plus sur le plan économique et budgétaire que le grand danger se pose avec cette grande aventure hasardeuse des militaires de l'Algérie qui ont énormément gonflé les prévisions budgétaires, les prévisions surtout des dépenses pour l'année 2023. Ce sont les experts algériens qui ont offert ce budget à Chingriha et à Tebboune, qui ont énormément pris de risques. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les experts de la Banque mondiale qui ont dit que pour que l'Algérie n'ait pas des insuffisances budgétaires et un vrai déséquilibre budgétaire cette année, il faudrait que le prix du baril ne descende pas sous 150 dollars le baril. Une chose qui est pratiquement impossible, je ne dirais pas incertaine, mais impossible avec plusieurs nouveautés qui ressurgissent sur le plan politique. Et les dirigeants militaires en Algérie le savent très bien, Tebboune le sait très bien, la preuve c'est qu'ils ont sauté de joie il y a un mois presque lorsque l'Arabie Saoudite avait décidé de réduire de quelques millions de barils par jour la production du pétrole. Les militaires de l'Algérie savaient très bien que cette décision allait permettre une hausse énorme du prix du baril, ce qui allait leur permettre de réaliser leurs prévisions budgétaires, mais surtout leurs prévisions en dépenses. Le cadeau était venu de l'OPEC+, exactement de l'Arabie Saoudite, qui avait décidé de réduire de 2 millions presque de barils par jour, et c'était fin novembre, si je me rappelle bien. Bien entendu, la joie des caporaux d'Algérie n'allait pas durer, puisque cette décision n'allait pas être appréciée, surtout par les États-Unis, qui voyaient en cette décision une grande faveur au profit de la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Bien entendu, vous avez une idée sur les raisons qui ont poussé les États-Unis à se fâcher de cette décision de l'Arabie Saoudite, puisque cette décision allait permettre une hausse énorme du prix du baril, ce qui va permettre à la Russie de bien financer sa guerre contre l'Occident à travers sa guerre contre l'Ukraine. On sait très bien que l'économie russe est basée énormément sur les revenus qu'elle reçoit du pétrole et de ses ventes en gaz, et donc cette décision de l'Arabie Saoudite allait énormément servir la Russie contre le bloc Occident. Bien entendu, les Américains tels qu'on les connaît, ils n'allaient pas rester les bras croisés et donc ils allaient énormément changer dans leur stratégie géopolitique et comment ils vont faire. Eh bien, sachez que ce que les États-Unis allaient faire écrouler le rêve algérien parce que la décision américaine a complètement bouleversé les données suite à la décision de l'Arabie Saoudite. La décision de l'Arabie Saoudite était tellement un choc pour les États-Unis que Biden était sorti pour menacer l'Arabie Saoudite et annoncer que cette décision allait avoir des effets très négatifs sur les relations futures entre les deux pays, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Bien entendu, jusqu'à ici, les Algériens étaient complètement fous de joie en voyant l'Arabie Saoudite se disputer contre les États-Unis parce que
Cela allait faire leur bonheur budgétaire à partir de l'année 2023. Nous savons très bien que les militaires algériens gaspillent énormément d'argent, pas pour le développement de l'Algérie, mais pour de la corruption internationale, de la corruption pour s'acheter des voix contre le Maroc, de la corruption pour s'acheter des places et des chaises pour sa création, sa pure création, les terroristes du Polisario, beaucoup d'argent que l'Algérie gaspille à travers le monde pour faire taire toute entité ou tout État qui risque de dire la vérité et de dire merde à l'Algérie et son Polisario. Donc la décision saoudienne avait comblé de bonheur les militaires d'Algérie puisque ça allait leur permettre de disposer de milliards de dollars qui allaient leur permettre de réaliser leurs objectifs diaboliques et sataniques contre l'intégrité territoriale de son voisin le Maroc. Mais ce que n'ont pas prévu les Algériens, c'est que tellement cette décision a été un choc pour les Américains que ça a bouleversé leur façon de réfléchir. Les Américains étaient capables de transformer les ennemis en amis et les amis en ennemis pour empêcher que la Russie ne s'enrichisse pas et l'empêcher de financer sa guerre contre l'Occident. Cette décision allait donc pousser les États-Unis à changer complètement de stratégie. Sa stratégie ancienne qui était basée sur les alliances avec l'Arabie Saoudite et des tentatives de lever les sanctions financières sur l'Iran pour lui permettre d'injecter beaucoup plus de pétrole sur le marché afin de maîtriser les prix du baril. En contrepartie, les États-Unis gardaient des sanctions financières sur le Venezuela qui était très hostile à la diplomatie américaine et très hostile aux alliés des États-Unis, dont surtout Israël. Les Américains en voulaient tellement à Nicolas Maduro qu'ils avaient soutenu la création d'un gouvernement parallèle, un gouvernement qui était soutenu non seulement par les États-Unis, mais par tous les alliés stratégiques des États-Unis au niveau de l'Amérique latine, au niveau de l'Europe, au niveau de l'Asie, au niveau de l'Afrique également, dont fait partie le Maroc. Bien entendu, en contrepartie, le gouvernement de Nicolas Maduro était soutenu par la Russie et tous les pays de l'Est, ainsi que tous les alliés de la Russie. Donc là, les États-Unis a complètement inversé ses tendances diplomatiques. Les Saoudiens qui étaient des alliés stratégiques ne l'étaient plus. Les Iraniens qui allaient être et devenir des alliés ne le sont plus depuis qu'ils vendent des drones à la Russie. En contrepartie, le Venezuela qui était un ennemi potentiel n'allait plus le rester dans le but, bien sûr, de chercher des équilibres pétroliers pour équilibrer le prix du baril au niveau mondial. Vous savez tous que le Venezuela est un grand producteur du pétrole et que suite aux sanctions financières, non seulement les États-Unis ont fait des sanctions politiques en créant un gouvernement dans le but de menacer le gouvernement Maduro et de tenter de le renverser, mais également des sanctions financières en limitant au plus bas niveau la production pétrolière du Venezuela et en interdisant les exportations. Donc, étant donné que le Venezuela pouvait produire jusqu'à 3 millions de barils par jour, Biden y a vu une grande opportunité pour pallier ce déséquilibre créé par la décision de l'Arabie Saoudite. Et c'est là, bien entendu, que la grande menace commence pour les Algériens. C'est là que l'État algérien risque de s'écrouler complètement. Et c'est là que le Hirak en Algérie risque de revenir sur la rue. Car si la nouvelle stratégie américaine est concrétisée sur le terrain et que l'embargo est levé sur le pétrole vénézuélien,
Alors certainement, ça va être la catastrophe en Algérie, car si ça arrive, le prix du pétrole va descendre jusqu'à 50 dollars le baril, ce qui va complètement détruire l'État algérien qui n'aura plus d'argent pour financer ses dépenses et qui n'aura plus d'argent pour faire face aux besoins du peuple, et donc un grand risque d'un grand soulèvement en Algérie qui certainement va entraîner la disparition du régime dictateur, un régime qui, depuis son instauration en 1962 par la France, la veille de l'indépendance, a résisté à toutes les crises et à toutes les catastrophes, aussi bien financières que naturelles. Donc là, nous constatons que les États-Unis sont partis pour rétablir le contact avec le Venezuela, pour faire une normalisation avec le régime Maduro. Les premiers signaux ont été lancés à Maduro. Une levée partielle des sanctions financières, une possibilité pour Maduro d'exporter beaucoup plus de pétrole. Mais le plus grand signal qui a été envoyé à Nicolas Maduro par les États-Unis, c'était de dissoudre ce gouvernement qui était à l'origine créé pour contrer son gouvernement et pour essayer de le renverser. Et là, la surprise, la grande surprise, c'est que Nicolas Maduro a réagi très positivement à ce message américain et s'est dit prêt à collaborer avec les États-Unis, son ennemi juré depuis toujours. J'imagine déjà Shingriha et Tebboune courir vers leurs toilettes pour se débarrasser de leur diarrhée aiguë, car certainement ces mauvaises nouvelles ne vont pas servir leur projet diabolique. Pire encore, ce rapprochement entre les États-Unis et le Venezuela risque de condamner ce régime algérien dictateur de disparaître une fois pour toutes. L'histoire est longue avec ce changement stratégique et géopolitique des États-Unis qui va énormément influencer le monde entier. Nous y reviendrons avec plus de détails. Je m'arrête ici avec l'espoir de vous retrouver très prochainement sur le même sujet, avec plus de détails et pour analyser les conséquences de cette fâcheuse décision aux yeux des caporaux du Club des Pins.